ainsi que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donna son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour je te révèle. Écoutons les textes de la 14e semaine du temps ordinaire, lus par la sœur Pierrette d'Assy, sœur de Notre-Dame des Apôtres, NDA, et le diacre Justin Tikounou de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Pierre Paul de la Société des Missions Africaines, SMA. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob partit de Beersheba et se dirigea vers Haran. Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit, car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre pour la mettre sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre. Son sommet touchait le ciel et des anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui. Il dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et à tes descendants.
Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au Nord et au Midi. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai sur cette terre. Car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. Jacob sortit de son sommeil et déclara, « En vérité, le Seigneur est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il fut saisi de crainte et il dit, « Que ce lieu est redoutable, c'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, il la dressa pour en faire une stèle, et sur le sommet, il versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu, à ce lieu qui auparavant s'appelait Luz. Alors Jacob prononça ce vœu. Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon père, le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une stèle sera la maison de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu dont je suis sûr, quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut, et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Mon Dieu dont je suis sûr, puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Mon Dieu dont je suis sûr. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu, chapitre 9, versets 18 à 26. En ce temps-là,
tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant, « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et la voyant lui dit, « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors, « Retirez-vous. La jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce jour nous fait contempler deux magnifiques manifestations de foi. Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. Admirons la simplicité et en même temps la fermeté de la demande. Nous pourrions presque dire qu'une foi ferme oblige Dieu, comme s'il aimait particulièrement ce genre d'obligations. Et l'autre témoignage de foi dans l'évangile aujourd'hui est aussi impressionnant. Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvé. Jésus se montre véritablement maître de tout l'univers, capable d'apporter la sécurité, la guérison et les changements dont nous avons besoin dans notre vie. Jésus veut aussi t'imposer les mains, se laisser toucher par toi, afin que sa vie jaillisse en toi comme une source d'eau vive. Jésus se fait proche de tous ceux et celles qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Et comme disait le pape Benoît XVI, Jésus est venu pour vaincre le mal à la racine, et les guérisons sont un avant-goût de sa victoire obtenue avec sa mort et sa résurrection. Mais il faut lui manifester nos demandes avec simplicité. La confiance et le naturel avec Dieu exigent de le fréquenter. Pour confier en quelqu'un, nous avons besoin de le connaître. Et pour le connaître, il faut le fréquenter. De la sorte, comme disait saint Augustin, la foi fait jaillir la prière et la prière, dès qu'elle jaillit, atteint la fermeté de la foi. Et n'oublions pas, chers frères et sœurs, la louange que mérita sainte Marie. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains.
Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est le coup de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Elle est tombée dans la falaise. Boum! SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.